الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من طيب أنسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مضغم يسأل الله سبحانه وتعالى celui qui finit nous l'occasion pour nous assiser après salat et pour nous faire une réflexion ensemble. On sait la bonne question, c'est qu'il y a pour autant d'adhin Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous vous faisons un rappel concernant une des bonnes obligations que Rabbul Alamin impose de nous. C'est concernant l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, dans d'autres qui est l'ibadat Rabbul Alamin, celui qui peut faire lui. Et celui qui peut faire lui, bien qu'on m'a besoin, en d'autres mots, il peut montrer une façon qu'il peut soumettre à la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit décider. Il n'est pas suffit qu'une personne nigère finit amen iman. Il n'est pas suffit qu'une personne nigère y a un musulman, il y a iman, et ensuite peine ibadat de sur la vie. Et nous réfléchissons pour aujourd'hui, pour plus précisément, en la guerre qui tue les temps finis, est-ce que l'ibadat nous vous a fait d'après sunna, ou soit nous gagnons droit, et là nous fassons faire autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner en d'autres mots ce bid'a. Et avant qu'il nous rentre dans nos sujets, nous faisons un rappel en bref concernant l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala qui y était. Il y en a d'autres qui, Rabbul Alamin, quand il finit créer nous pour un seul objectif, c'est pour nous faire son ibadat. Et ensemble avec nous, Rabbul Alamin finit impose ibadat le banjin aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nous pas finit créer banjin avec ban insan, excepté pour qui je te fais ibadat. Ibadat Rabbul Alamin, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les fins descendent dans le prophète, les fins envoient dans le méchazé, les fins descendent dans le livre, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les fins divisent dans le jimoun en des groupes. Soit nous l'attirons Rabbul Alamin nous bannent mu'min, ou soit nous bannent kafir. Soit nous l'attirons Allah subhanahu wa ta'ala nous bannent obéissant, ou soit nous l'attirons Rabbul Alamin nous bannent fasiq, nous bannent qui peuvent vivre de désobéissance Rabbul Alamin. Et ça, des groupes là, je destination aussi, le jour qiyama, les pour destination différente. Dans le mu'min pénadut, c'est dans l'espoir que Rabbul Alamin peut dans le jannah. Par contre, ban kafir et ban qui peut vivre de désobéissance Rabbul Alamin, c'est de donner un mauvais sort le jour qiyama devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est l'enfer qui est insupportable qui peut atteindre. L'ibadat Rabbul Alamin, si une personne ne réfléchit bien là, ce qu'il sort, c'est qu'un musulman, il prend plus compte et plus de considération
même les dieux plus qui nous mangeaient, nous boire, et bien les autres besoins qui nous bénéficient dans nous la vie. Une personne, s'il peut nous manger, il peut nous boire, il peut nous aller, et bien les autres choses encore, nous dire qu'il faut aussi des PPRD sur la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y en a manger, il y en a boire, ou soit il peut nous manger, il peut nous boire, mais finalement, il y en a, a pour moi-même. Mais une personne qui lit la négligence, ou ça ne peut pas faire ibadat du tout, là il y a une question d'Janna ou ça l'enfer qui devant lui. Si les sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala les régulier de son ibadat, il y a l'espoir pour gagner Janna, et si il est contraire, alors ce sont les mauvais. Et ibadat Rabb al-Alamin, man fait ban sir, nous supposons faire lui, basant les trois piliers. L'amour, l'espoir et la frayeur. L'amour, l'espoir et la frayeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit « Oulaïka alladhina yadu'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila » Sabana, c'est-à-dire ben mu'min, je invoque Allah subhanahu wa ta'ala et je t'essaie pour approcher avec Allah subhanahu wa ta'ala pas al-wasila, pas ben bon action. Ayyuhum aqrab, et chacun peut faire des efforts pour que tu aies un qui peut approcher plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjouna rahmata, et je garde l'espoir au pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafouna adaba, et je paie à finition Rabbul Alamin. Donc, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman est supposé faire avec l'amour, liéna volonté pour faire ibadat. Non plus qu'à ibadat une ligne de Mali comme si c'était un fardeau. Et ibadat nous fait avec l'espoir que Rabb al-Alamin nous récompense nous. Et ibadat nous fait aussi avec la frayeur. Si nous n'embarquons pas, attention que Rabb al-Alamin y attrape nous. Ne pas faire ibadat de manière extrême. Comme il n'a pas capable de dire de faire ibadat juste pour l'amour ou Allah. Ou soit il n'a pas le droit de faire ibadat avec l'espoir. Pour gagner une janna, comment nous connaissons la parole des bains soufis, et là qui finit par se dire l'eau et finit par gifler, d'assaut et d'assaut de côté la main, soit il peut le cain d'enfer, ou soit il peut le brûler janna, afin qu'il du monde ne peut faire ibadat pour gagner janna, ou soit avec la frayeur pour l'enfer. Et ibadat, comment nous connaissons c'est toujours, c'est un rappel, nous supposons faire l'ibadat de deux conditions. Ces deux conditions-là, c'est bien important. Pour nous veiller qu'il nous sache ibadat, il y en a ça là-dedans. Si nous pouvons faire ibadat sincèrement, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pouvons faire ibadat basant le sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité, ben frère, ben soeur, ben qui plus meilleur que nous, ben salaf de sa umma-là, pas qui peut être avec un niger comme s'il y a une petite chose qui est simple. Et dans la parole de certains ben salaf, que je dis qu'il nous pas fait une difficulté pour mettre en pratique une petite chose, plus qu'il nous fait une difficulté pour venir une personne qui est sincère. Alors ça, bien en doute, nous montrez-nous comment une personne n'est besoin de faire djihad avec lui-même afin qu'il vienne une personne qui est sincère de son ibadat pour Rabb al-Alamin. Et l'ibadat qui est basé sur le sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. رب العالمين نجد سورة ملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى لبيبخوفزت فلقيته كسانا كي بيفير مية أكشن يتوجو من فرير قرآن لفين سيري بان موك يبلي أقوبخي الله سبحانه وتعالى بفنجي فلقيته كسانا كي بيفير بلي بوكو أكشن من رب العالمين لفين سيري ان موك qui dit des mal pour réfléchir beaucoup. Rabb al-Alamin, il peut éprouver nous pour nous guetter, pour nous guetter. C'est là qu'il peut faire plus meilleure action. Quand il dit mal avec Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui veut dire, concernant ça, il y a le Coran là, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour lui éprouver, pour guetter, c'est là qu'il peut faire meilleure action. Il dit, akhlasuhu wa aswabuhu. Meilleure action, c'est une action qui est plus sincère et les plus acceptables, soit les plus reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors ce film de toujours « وَمَا أَخْلَصُهُ وَأَسْوَبُهُ » qui veut dire plus sincère et plus reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle lui donne une parole qui vient d'un potard par dire « إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ » Une action, c'est une fait avec sincérité. Une personne n'est capable de faire une action avec sincérité, mais sa action-là n'est pas reconnaître au Rabbul Alamin parce qu'il n'est pas d'après Sunna, alors sa action-là est rejetée. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisa lam yuqbal. Et si sa action-là est d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais payant sincérité là-dedans, sa action pareille n'est pas reconnaître, est rejetée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى يكون خالصا صوابا زسكك سبنا خشونا لذين avec sincérité et poursuivre sunna رسول الله صلى الله عليه وسلم là-dedans. Ensuite il dit الخالص ما كان لله, un action qui nous fait avec sincérité, c'est un action qui nous fait aller jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. والصواب ما كان على السنة, et un action qui reconnaît auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une action qui est basée sur le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rabbul Alamin l'idée, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui a l'espoir qu'il est besoin avec son Rab, qu'il y fait une bonne action qui est basée sur le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qui ne permet aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Basan ou la ben frère ben sœur, nous capables de dire qui aurait la choix avec ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, nous capables de diviser ben jimoun en quatre groupes. Nous capables de diviser ben jimoun en général en quatre groupes. Soit premier groupe, un Benjamin qui peut faire ibadat Rabbul Alamin avec sincérité et peut suivre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, bien doute, c'est Ben qui nous garde l'espoir qu'il y a une bonne nouvelle pour être les jours Qiyama. Car je suis sincère envers Rabbul Alamin et je peux faire des efforts pour faire cette ibadat d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième catégorie, nous capables de bannir du monde qui est sincère, ne pas capable de dire de cette sincérité, mais ne veut pas faire aucun effort pour suivre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, un ibadat pareil est rejeté auprès Rabbul Alamin. Un ibadat pareil n'a pas aucune valeur. Car cette sincérité n'est pas un critère pour que Rabbul Alamin accepte l'ibadat. رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui peine à nous l'enseignement là-dedans, qui n'est pas basé sur nous l'enseignement, sa action-là est rejetée. Et troisième, c'est bonne personne qui peut suivre sunna, mais je n'est pas sincère. Quand vous êtes tout qualité sunna, nous pouvons faire des efforts pour mettre en pratique, mais bien souvent dans la sincérité de l'action. Et nous refaire appel ben qui plus meilleur qui nous, je pas fait une guette la sincérité comme si elle quitte chose, c'est qui banal, comment dire, pas besoin d'efforts pour faire dire. Mais ben qui plus meilleur qui nous, ben qui fait plus qu'on pense à dire là, je fais une difficulté pour qu'ils je fasse une bande du monde qui est sincère. Je fais une guerre bande causée, qui je fais une montre aux autres, qui je bande du monde qui fait une bise à faire djihad. Ils ont fait des efforts, puis ils ont la guerre avec eux-mêmes, afin qu'ils deviennent une personne qui s'insère envers Rabbul Alamin. Et dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirku. M'oublie pas en besoin des bons associés qui bons associés, celui qui fait une action et les met un associé ensemble avec moi, les met un autre comme associé ensemble avec moi, moquit li et moquit soit associé. Donc une action pareille, Rabbul Alamin n'y pas besoin. Et quatrième, c'est ban qui pas sincère et ban qui n'ont pas péché, même sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Définitivement, ban frère, sa ban action là est rejetée
Et là, dans Papi Mouchanab de l'Alamin saisissent la première personne, la première catégorie, celui qui s'insère. Il peut faire des efforts pour lui vivre sincère et il peut suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est capable d'espoir, qui devant Rabbul Alamin, ce bon action, il peut accepter. Quant à Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous convient, il y a une petite chose qui est apparente. Qui est apparente parfois dans certaines Sunna, ou capable de trouver même avec Bidati. Mais la sincérité, ça c'est une petite chose, c'est qu'il est caché. Vos frères, ils ensemble avec vous, peut faire salat, il peut garder rosa, il peut donner sadaqa, il y a une grande activité islamique, mais saisissent Rabbul Alamin une petite quantité et dans la sincérité en dedans. Alors ça, c'est une petite chose qui, tout le temps, nous faisons faire des efforts afin que nous venions une personne qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat, ben frère, ben soeur, soit d'après sunna, ou soit c'est une petite chose qui Jimoun finit inventé. Et ça, c'est une petite chose qui, tous les temps, au fin de temps, parler concernant lui. Suivre sunna par pratique de da'a. Et il y a une petite chose qui est importante. Quand une personne n'est capable de sincère, comment elle est sincère, mais si elle n'est pas suivre sunna de son ibadat, alors toute cette sincérité, elle n'a aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, l'excuse que du monde bien souvent avancé, je peux faire ibadat pour Allah, je suis sincère, n'importe comment je peux faire pour Allah même, Allah est Ghafour, est Rahim, Allah est pour bien accepter. Mais une petite chose, c'est que jamais nous finissons imaginer, ou soit jamais nous finissons pas faire réflexion là. Est-ce que c'est pas par pitié Rabbul Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit en un Rasoul? Pensez-nous comment vous allez faire ce ibadat. Comment est-il possible que nous puissions dire qu'Allah est dans pitié et que Rabbul Alamin nous puisse dire est-ce qu'il nous passe envoyer un Rasoul pour enseigner aux autres comment vous allez faire ibadat. Alors, ça, l'argument n'est pas débouté. Que Rabbul Alamin peut n'en doute, ce pitié finit envoyer tout quelque chose. Mais dans la pitié la même, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit envoyer un Rasoul et ce Rasoul-là, il finit vin. Explique-nous comment pour approcher-nous avec Rabbul Alamin. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, c'est l'imam qui nous ordonne pour nous suivre sa Rasoul-là. Pour nous suivre Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, Rabbul Alamin nous dit Alladina yattabi'una al-Rasoul al-Nabiy al-Ummi. Ben qui suivent le messager, prophète qui ummi, qui est analphabet. Ben qui peut suivre lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa critère, ben qui peut suivre sa Rasoul-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni » Dis si vraiment je compte à Allah subhanahu wa ta'ala au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis banna si vraiment je compte à Rabbul Alamin, je compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celle qui chose qui nous capable de faire preuve pour montrer que nous comptons à nos rabbes, فاتبعوني suivez-moi, suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a un deuxième critère qui est un djimoun qui est capable de dire qu'il vraiment il peut compter Allah subhanahu wa ta'ala excepté par il peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ayat Qur'an ben frère et ben soeur beaucoup ben ulama fin appelé ayatul imtihan, un ayat qui nous peut nous mettre devant pour nous faire preuve, ou soit pour nous tester un djimoun, est-ce qu'il vraiment est sincère envers Rabbul Alamin, ou soit juste parfois il peut blesser, puis il n'y a rien avec sincérité là-dedans. C'est guetter qui quantité qui est un djimoun, il peut suivre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une personne n'est capable de causer 1000 paroles pour l'islam, une personne n'est capable de faire 1000 réflexions concernant l'islam, une personne n'est capable de faire grande conférence concernant l'islam. Une personne n'est capable assis devant la table pour cause concernant un problème d'islam, mais seulement si paix dans la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la vie, dans son ibadat, dans lui-même il y a un djimoun qui n'est capable de dire qu'il peut car paix n'a aucun du bien dans lui. Car Rabbul Alamin lui fait mettre ça comme critère. Si vraiment nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finaux donnent aux autres pour faire, fais-le. Et ce qu'il dit finaux aux autres, reçois, pas approche avec ça. Et Rabb al-Alamin nous dit, « Ya yuhalladhina aman wa ati'u Allah wa ati'u Rasul » Oh, ben qui finaux men imam, obéis à Allah et obéis à ce Rasul. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dit, « في القرآن ما يزيد على الأربعين موضعا فيه الأمر بالاتباع. Dans le Coran, il y a environ plus de 40 places que le Rabb al-Alamin ne peut donner nous pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'atu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa akhdhu ad-din anhu wa tahkimihi sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous prendre le din avec lui et pour nous prendre comme un juge. ورد النزاع إليه إبنوغتون نبان جسفيت ذالي plus que 40 places رب العالمين لفنو دنو ونقنو دين ونسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام كانوا هناك الجبازانس نغتون ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت جاء الله رجيا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si je peux discuter, je divise dans une petite chose, retourne vers Allah et son Rasoul. وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهُ وَالرَّدُّ إِلَى كِتَابِ. Et retourne ça vers Allah, c'est retourner vers le Coran. Rote sa réponse, rote sa solution dans le Coran. وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِي. Et retourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est retourne vers sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit Allah, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Fais attention, ban qui peut désobéir ce ban l'autre. Et à la contradiction avec l'autre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, attention qu'il y a une fitna tout zut, ou soit une punition qui vient douloureux. Ben frère, il y a un doute qui est Ahlus Sunnah, ben salaf de sa umma là, ben aïmma, djinn de confiance, ben aïmma rabbani, qui nous garde l'espoir qui ban qui sincère de toute l'époque, c'est ban qui tous les temps, qui n'en a plus beaucoup pitié pour sa ummate là. Et malheureusement, dans tout qui sort comme ça, nous gagnons soit un groupe qui est à l'extrême, ou soit un groupe qui lit une négligence dans lui et nous a juste milliers. Ban qui il a dans l'extrême concernant ban ulama rahimahumullah, c'est pareil comme ban soufi, ban berelui, etc. Quand vous êtes de cher, comme a dit, c'est ça même Allah ou la terre. Si tu n'as pas à faire ibadat pour lui, tu peux faire. Et il y a un groupe qui malheureusement, parfois, n'est pas mis dans le tawhid, beaucoup, qui sont comme si les ulama n'ont aucune valeur. Comment dire, les mensonges pistaches, ils n'ont aucune valeur. Et là-dedans, nous ne pouvons pas dire les kuffars qui nous réussissent. C'est Rabb al-Alamin du Coran, les causes concernant les ulama, c'est les mêmes qui n'ont pas beaucoup de taqwa. C'est Rabb al-Alamin du Coran, les fins causes concernant les retours vers les ulama. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demande à Ban qui n'a connaissance, ils ne sont pas connus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en deux mots, il fait considérer Ban ulama comme ce Ban héritier. Il n'est pas possible que Rabb al-Alamin fait une erreur. Il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala fait une mal choisir Ban Jimun pour qu'il Ban là se transmette sa dîna. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous avons des fitna surtout autour de nous, je tout connais une solution d'un problème, juste ban ulama comme si je peux vivre dans montagne, je ne vois pas qui peut traverser dans le monde. Ça c'est malheureusement ban kuffar, fin réussi comme si, si nous tient confiance, le ban jimun qui est plus sincère, le ban jimun qui n'a plus beaucoup de connaissances plutôt, et pour qui chacun vienne son propre alim pour lui-même. Alors, les bons qui connaissent cause concernant ibadat en bid'a et sunna, nous sommes un petit peu comme ban ulama, et ben sahaba, comment tu peux réagir devant une bid'a? Comment tu peux réagir concernant un ibadat afin qu'il nous comprend
qui fait une ibadat, lui disait d'après sunnah, et nous pas capable de faire négligence, même un petit guide, pour nous permettre de nous faire une bida'a. Imam Malik, rahimahullah, une personne demande concernant l'ihram. Il y a place qui m'a mis l'ihram à Dhul-Hulayfa, Miqat, Madina, les phénomènes permission pour lui mettre sur l'ihram dans Masjid Nabawi. Imam Malik, rahimahullah, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Alors, sa personne, il continue de discuter avec Imam Malik, il a dit, quel problème est là-dedans? Car c'est quelques pas en avant. C'est quelques pas avant, c'est quelques mille avant qui me permettent mon ihram, quel problème est là-dedans? Imam Malik, rahimahullah, il dit, mon père, fitna pour toi. Mon père, fitna pour toi. Ensuite, il finit cite ça, il y a le Coran là. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Fais attention à Ban qui peut désobéir à son Lord. Attention qu'une fitna te jette ou soit une punition qui douloureuse. Ce n'est pas drôle, Ban frère. Ne pas réjouir le malheur de nos Ban frères. Ce n'est pas drôle qu'aujourd'hui nous trouvons qu'une meilleure ummat qu'une rampe d'abassesse. Quand nous guettons autour de nous, nous tous nous connaissons bien qui quantité sunnah, fin vin, comment dire, étrange, et qui quantité bid'a, fin gain est le dessus de sunnah. Qui quantité azodi, quand une bid'a peut traverser, il traverse normal, mais quand une sunnah fait permettre en pratique, comme si un crime qui sa communauté là fait peut commettre. Le droit de certaines masjid, si imam pas fin faire dua après salat, un crime. Soit là quand même comme si pas fin accepté. Dans le nika, si l'imam pas fin faire droit à crime. Dans le mayat, si l'imam pas fin faire droit à crime. Comme si plus grand péché qui ça pas fin existé. Et l'imam Malik, rahimahullah, fin juste de manier permission. Pour mettre ihram, quelques mètres ou ça quelques milles en avant, qui miqat, les fin paix, attention qui fitna, les touche nous. Ça peut nous dire, ben frère. C'est même quelque chose, c'est qu'il y a un point autant pour nous comprendre dans nos dînes, qui bida'a, chigit ou sali beaucoup, l'ipé dans sa place d'adi, dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et une parmi une personne qui n'est pas le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant, c'est-à-dire que nous connaissons, mais un seul sabbat passé, c'est, il y a contradiction avec sunnah. Une personne qui n'est pas le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, si moi un sabbat, un là, il est là, il est ici, est-ce qu'il ne m'aura pas à mettre un seul sabbat, me passer un pas ou deux pas, me prendre mon deuxième sabbat? Cheikh Ibn Baz a dit, « Inistata'ata an la tukhalifa sunna, walau bi khutwatin wahida fa'fa'al. » Il a dit, « Si il est possible pour toi, pour ne pas contredire sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même pas un pas qui te fait aller. » Pas une pause que je suis dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit ça, mais sa bataille ici, si ça te bout la même, il y a un problème. Cheikh Ibn Baz a dit, même pas un pas, si tu es capable, pas désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fais Ali. Ça, c'est en vérité une réponse qui remplit avec pitié pour sa ummala. Quand le Coran finit de nous, pour suivre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pas pour désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, Ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'ijia, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, suivre sunna et pas venir introduire bid'a, car certainement la loi Allah subhanahu wa ta'ala finit des sannes et la loi Rabbul Alamin n'y suffit pour vous être pas besoin d'un nouveau qui soit d'adine Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'imam Nijia, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Nijia, نَتَّبِعُوا وَلَا نَبْتَدِعُوا. Nous suivons sunnah et nous pas faire bida'a. وَلَن نَضِلَّ مَا تَمَسَّقْنَا بِالْأَثَرِ. Et nous pas pour égarer aussi longtemps qu'il nous peut signifier avec ben source, Coran ou bien sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ben sahaba, les pécoses concernant ben sahaba radiyallahu anhum, nous suivons sunna, nous pas faire bida'a. Et tant, ensuite, il peut conseiller, ben, qui peut venir après, tant qu'il nous continue faire avec le Coran et le sunna, nous pas pour égarer. Comment est-il possible qu'une personne
seul islam, ni trouve dans le Coran, ni trouve dans la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite fait coller une étiquette égarée le seul édouard, pas possible. Sinon, le Coran là-même, comme on dit, il y a un livre qui n'est pas guide vers la droiture. Et Rabb al-Alamin, il dit Inna hada al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là, il guide vers quelque chose qui est plus juste, il guide vers la droiture. Alors ça, c'est une façon pour montrer nous que bid'a l'ipée n'a rien à faire dans le dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Mas'ud radiyallahu an, comme Abu Moussa al-Ashari radiyallahu anhu fi Minjali, qu'il y a un groupe de Mazid peut faire des cartes. Qu'ils peuvent faire un groupe, un comme si c'est l'imam qui imam les pélid. Il peut dire Dieu subhanallah 100 fois, Dieu alhamdulillah 100 fois, Dieu la ilaha illallah 100 fois, et Allahu Akbar 100 fois, et je vais compter en jamaat. Abu Moussa al-Ashari, il vient de dire Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que Dieu dit qu'il va en faire. Alors, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, après qu'il a entré avec Abu Moussa al-Ashari, il dit Afala amartuhum. Tu vas être capable de dire compte de tes péchés, d'en passer que je fais compte et roche pour faire zikrullah. Et puis, ensuite, ça c'est une façon qui m'a dit Sahaba radiallahu anhu de te dire envers un djimoun qui fait pratique quelque chose qui pas trop de sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aujourd'hui, c'est si nous sommes liés avec nous léger qui sans connaissance. Si nous disons un groupe de mazid avec ce long tasbih, c'est pas un mille, c'est pas un kilomètre d'y faire, il peut compter même. Alors pour nous, c'est un grand burzouk. Il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous pouvons dire une bidati? Et pas juste, comme on dit aujourd'hui dans mazid de Fintani, il n'a pas ce faire acoustique de mazid à soi, et après ça, il peut faire zikrullah. Peut-être un aligné peut taper, peut battre, si pas peut faire acoustique, et tout cela peut dire. Peut faire zikrullah et nous parfois quand nous étions nous aimer à veiller. Maman, ça m'a dit qui sincère. Benjamin par envie qu'on a dit approche plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit tu vas capable de dire dans place de tes comptes et tasbih comme nous dit peut faire zikrullah al compte de péché. Ensuite Ibn Mas'ud radiallahu anhu il vient dans la zid et que ça groupe à l'égir. Ma asra'a. Halakatukum ya ummata Muhammad. Kuma je peux rendre la destruction vite. Qui vitesse je finis rendre la destruction au ummat Muhammad. Mon frère et ma sœur, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa époque là, il peut dire dans qui vitesse je finis rendre la destruction. Celui qui gagne nous l'époque, qui quantité de destruction, je vous trouve plus de la destruction. Qui quantité, après qu'il s'est dit, il a ce visage qui est massacré, qui parole, il est pour servir de sa ummat là. Et ben là, je peux faire zikrullah, et je peux faire lire d'une autre façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigné. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu peut trouver ben là, pierre de destruction. Havihi thiyabukum, havihi thiyabuhum baynakum, lam tubla, wa aniyatuhu lam tuksar. وهؤلاء صحابته بينكم متوافرون ابن مسعود رضي الله عنه لجيا لاز دي بان صحابة في فين مو بانكو فوري جد بان ريسيبيان بانكو خازي اينا ساتن بان صحابة انكو في مارسي بامي جد انكو في مارسي بامي جد اينا انكو كي فيفان انسيت جا بان لا اما والله انكم قد جئتكم ببدعة ظلمة سيامل ألا سفنامين بن بدعة أجستما أوفقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أسوى زفن سيباس بن صحابة بن كومبان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونيسانس أما والله أنكم مفتتحوا باب الضلالة أنسيت بجي سيامل ألا سفي أوفيا لابوت لغاما Je vais ouvrir la porte des gamins, ou annakum ahda min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou soit je vais déclarer de pli l'aura qui danse qui ban sahaba radiallahu anhum ajma'in. Ça c'est parole d'un sahaba concernant un bida'a. Et sa bida'a là, il y a très ibadat Rabbul Alamin là-dedans.
Pena nanya dari Islam qui empêche pour dire subhanallah. Pena nanya dari Islam qui empêche pour dire alhamdulillah. Qui empêche pour dire la ilaha illallah. Qui empêche pour dire Allahu Akbar. Mais la cause est une regroupée en jamaat. Et un peut dire subhanallah. L'assemblée peut répéter subhanallah. Puis aller comme ça. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu finit en colère. Et sa parole là, Pena Dieu, c'est une parole qui finit sortie de la langue d'une personne qui n'a collé dans l'île. Et aussi, mon frère, toujours, mon sahaba radiyallahu anhu, c'est un homme qui n'a hikmah. Nous n'aimons pas qui n'a hikmah là. Aujourd'hui, c'est comme dire cause d'un masjid, légalement. Comme si tu fais un crime, une parole haram prononcer ça. Personne ne va prononcer. Alors, le sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire avec ma première génération, soit je peux ouvrir la porte légalement, ou soit je peux déclarer même plus guidé qui, ben sahaba radiyallahu anhum ajma'in, sa groupe là finit dire Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. C'est à moi, ô Abu Abdurrahman, ne pas peut faire accepter du bien. Ne pas peut faire accepter du bien. Ne peut faire droit en jamaat après salat. Parce qu'il peut faire du bien pour sa ummat là, ben là par contre, il fait doua. Il peut faire doua, long doua d'un mariage, il peut compter du bien. Il peut faire doua d'un janaza, d'un mayat, parce qu'il peut compter du bien. Il ne peut si pas faire un achid, il peut compter du bien. Il peut dire à du monde pour tel problème, rassembler dans tel masjid pour faire tahajjud, il peut envie du bien. Aujourd'hui, toute action, ce qui fait le mine de l'islam, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fini enseigner, il a un seul, il a un seul slogan qui met là-dedans. Ne plus envie de faire du bien. Et sa parole-là finit avec Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ne plus envie de faire accepter du bien. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit, wa kam min muridin lil khayr, laydusibahu. Et comme il y a parmi ban qui a envie de faire du bien, je ne pas qu'on faire du bien. Et ça, ça fait profit de rien. Nous capables de dire qu'il nous a envie de faire du bien, mais il n'y a pas fait profit de rien parce qu'il n'y a pas d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est bonne petite chose, c'est qui bonne frère, bonne soeur. Nous devons prendre compte quand nous faisons cause concernant nos ibadat qui supposaient le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et non plus nos ibadat qui supposaient baser le bid'a. Et c'est à tous les tchigites ou bien dit beaucoup. Bien souvent, mon frère, nous avons certaines bonnes prétextes pour nous dire qui non, mais nous pas faire dit. Parfois, relation familiale pour le casser. Un seul beau frère moyen, un seul beau père moyen, un seul autre moyen. Alors, si nous ne pouvons pas d'Akatam, nous prend en colère. Moi, je ne suis pas d'accord même ensemble, mais seulement mal montrer ma présence. Alors, tout ça là, c'est pas qui va me prêter que mon sahaba radiallahu anhum. Comment je peux faire, je peux montrer mon fils là-bas, une maillette de la case, de la cour. Tchatcha, filmo, tchatchi, filmo. Tantôt, tous les jours, à soir, Marana pour venir faire Fatiha. Je peux faire comment je peux montrer une présence là-bas. Alors, je ne suis pas d'accord même, mais c'est maman assisé. Comment je peux faire? Alors, ça, c'est pas istem de mon salaf de sa ummala. Et parmi les petites choses encore, ce qui nous vous a pris en compte, qui bien souvent, comme on nous connaît, bid'a, de quelle façon qu'il est différent avec péché. Péché en djimoun, il les a connus, ça c'est péché ça. Parfois il peut faire parce qu'il est une tombe d'une faiblesse. Et au fond de lui, il regrette après qu'il est une commettre un péché. Mais par contre, prends un djimoun qui peut commettre un bid'a. Demande-lui, tu peux faire bid'a, tu peux désobéir à Allah. Alors ça c'est une façon, ça qui montre nous comment bid'a est danger. Pour lui, il peut faire ibadat Rabbul Alamin, il n'est pas fait commettre aucun péché. Il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fait commettre aucun péché. Et bien souvent, les fins trouvent, si pas sa afkar là, il peut paraître joli. Tel Maulana fin donne Tchilla, il paraît bien joli. Tel spa wali, il fin donne tel afkar pour que la cuisine peut paraître joli. Il peut pas si fin qu'on va y finir, il y a tel surah, tous les grands matins, il fin trouve pas joli. Alors qu'il finit émerveillé par bonne petite chose. Et lui, il peut prendre ça comme si c'est sa même dîne. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit « Man istahsana faqad shara'a. Man istahsana faqad shara'a. » Celui qui, il finit trouver une petite chose jolie. Il finit émerveillé par ça.
Il n'y a pas trop de sunna. En vérité, les fins permettent lui-même pour faire la loi. Et nous combien peine une personne qui vient pas faire la loi à part Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, capable de me d'accord, moi. Bizarre, suis sunna, mais ça djihad qui dit mon peut côté de la série là. Ça, bizarre, ma sunna, on peut être éveillé par ça. Et je vous dis, comment je suis Souhaimé, il dit, nous connaissons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les finis en paix pour rendre la guerre, quand tu fais la guerre d'Aban Tissot, Jahiliya, ou soit fais la guerre, la cause Qaumi, la cause nationaliste, ou soit fais la guerre, le Asabi, la cause d'un Tissot, comment dire l'intérêt pour un groupe personne. Et aujourd'hui, quand nous et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, les causes vraies djihad, c'est un djihad qui peut faire juste pour faire parole à Allah subhanahu wa ta'ala, les monter, les prévaloir au lati Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez-nous un groupe de la série. C'est un qui peut faire djihad pour qu'il dise, Rabbul alamin, nous sommes gagnants. Chacun peut la guerre. Vous êtes propre l'intérêt et nous connaît. Ce n'est pas des histoires qui nous peut raconter et personne, pas pour capable de dénier, qui chacun peut la guerre avec lui-même parfois. Peut qui tira l'autre côté, peut la guerre entre eux autres, juste parce qu'ils ont propre, ils ont problème, soit qu'il a cause de sortir de tel endroit, ou soit la cause de tel groupe, ou soit de tel groupe, la cause ça qu'ils ont fait la guerre entre eux même. Alors ça en vérité, ce n'est pas un djihad qui les trouve dans Sunna. Alors un démon les trouve ça. Non, ben, banan, quand peut prier, peut crier Allahu Akbar, peut couper la main, peut faire ceci, peut faire cela, et à chaque fois, peut dire coupable, peut crier Allahu Akbar. Ça, c'est djihad, ça. Alors, Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, celui qui définit merveillé, l'un qui saute, qui pas base au sunnah, définit permettre lui-même pour faire la loi. Et la loi lui appartient juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, que Rabbul Alamin, ce din, c'est un din qui complète. Un dîn qui Rabb al-Alamin finit déjà fini complètement, peine à personne, qui a le droit de faire la loi, introduire, quitte l'action, ou soit quitte sunnah, ou soit quitte la loi, dans dîn, Allah subhanahu wa ta'ala. L'action là peut paraître jolie, peut paraître extra jolie, peut être merveillée, peine un mot pour décrire tellement qu'il est joli, ce n'est pas à base de sunnah, c'est-à-dire en d'autres mots, si vous finissez merveillé par là, vous pouvez faire lui, vous finissez permettre ou même pour dire qu'il dit l'islam n'est pas complet. Il y a la loi encore qui disait dans la dent. Et par contre, Rabbul Alamin, il dit Al yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je suis complet de din pour vous. Un ayat, mon frère. Un ayat, c'est une personne, c'est une dîme, il dit juste réfléchir là. Qui commence à faire qu'Allah fait faire le nom. Il fait de nous un din complet. Pas fait bizarre, comme on dit, après une époque assisée, pour réforme sa dîme, avec une nouvelle loi. C'est une petite chose qui Rabbul Alamin pas fin de nous. Les fins complètes, ça dit, non, pour nous, les fins de nous. Et malheureusement, prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a, nous pouvons faire pareil comme un juif et comme un chrétien. Nous pouvons faire pareil comme un banna. Allah fin de nous un dîne qui complète. Un dîne qui nous a fini complète, nous, comme si nous ne pas fin plein. Et puis nous pérodons bien souvent, nous pérodons ce qui est inférieur et nous péquitons ce qui est meilleur. Pareil comme un juif, un chrétien qui nous fait. Et même ban juif, quand il y a le Coran, pareil, fin de descend. Ban juif, fin jaloux, comme si je fin jaloux, ça y a le Coran là. Et je te souhaitais que ça y a le Coran là, les vins parmi eux. Je fin mingé de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Je dis avec Omar ibn Khattab, un ayat dans ce livre, si ça, les descend, l'honneur ban juif, je ne peux pas ça jouer là, je ne peux faire fête. Tellement que ça y a là, il peut montrer faveur à Rabbul Alamin. Et nous, aujourd'hui, quitte sunnah, quitte tout le pas derrière, introduit à bid'a, et nous peut la guire pour dire parfois qui nous va vrai ahlu sunnah. Oui, c'est un vrai berelui, puis un doute, ou ça va un vrai liobandi, puis un doute là-dedans. Alors, ça, c'est même une chose, c'est qui il y a un peu autant pour nous prendre en considération que Rabbul Alamin ne fait faveur à l'eau. Imam Malik rahimahullah basan usayat Quran al-Jia man qala fi ad-din bid'atan hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Celui qui prétend que dans le din il y a bid'a hasana, alors celui qui prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin fait traite avec message que Rabb al-Alamin fin donné. Il n'y a aucun musulman qui pouvait dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est traite.
comment nous ne pouvons pas traiter comme un traître dans l'époque Jahiliya, Banachikon Kamal Amin, il finit faire ce travail, il finit aller. Et comment aujourd'hui nous ne pouvons pas prétendre que nous achetons Rasoul et tout ce sunna nous peut être dans quoi? Et ce qui à la Hazrat fin amené, ce qui dans Nizamuddin Azadji fin amené, ce qui c'est pas l'autre, c'est pas Ban Sef Soufi fin rêvé, ne peut dire ça même nous dit ça. Comment dire? Quitte sunna n'a pas crime, mais seulement ce qui c'est pas tel Bourzouk fin rêvé, ça pas rien voir qui c'est qui dit comme si l'islam Jannat bin Haram pour nous. Alors c'est ça façon là qui va un musulman peut réagir. Et puis nous qui ban ibadat pareil, il n'a aucune valeur, ban ibadat qui fin basé le rêve, cheikh, le rêve, bourzouk, le rêve, c'est pas babaji, c'est pas le rêve, c'est pas tel pire, tout ça là, il n'a aucune place dans le dîner, Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik, rahimahullah, ensuite, dit-il, لأن الله قال, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit-il, اليوم أكملت لكم دينكم, azodim, au fin complet de dîner, vous êtes. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يكون اليوم دينا سكي باتي فوم دادين باتي فوم باتي دادين دا لبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوس لي با بوسيب كي أزوجي دي بن دين باتي ناوروس دا لبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم باتي نا كتام باتي نا سيبا à cause de l'acte vis-à-vis de Maurice pour bien faire tahajjud, parce qu'il y a une action pareille à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette époque-là, si il n'est pas considéré comme din, Imam Malik rahimahullah dit, dans l'époque, nous ne sommes pas capables de considérer comme din, wa la yusliha akhira hadhihi l'umma illa bima salaha bihi awwaluha. Et ensuite, il dit, il n'est pas possible que l'État de sa oumata li pou sanze, elle était à la fin de sa oumata li pou sanze, excepté si li trappe, ce qui va une première génération fin trappé. Et puis dans deux temps, si nous posons nous mêmes questions, qui va une première génération fin trappé? Rêve Kousta, rêve Mawlana Nourani, rêve si pas Abdul Qadir Jilani, rêve si pas Hazadji, est-ce qu'il va une sahaba l'oula qui se fait pratique Zoddim, ou soit Zoddim, Nichibaz? لو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيمين با دي حديث en bref نكون يا من فرير رياكشن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خطبة كالسيت بدعاء وفي نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي بليف سو لا فوا سو لي جيش بيفين روج كم سي لي بيفير فاس à l'ennemi. Puis n'a doute que parole qui peut venir, c'est montrer nous gravité sa petite chose là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fa inna kulla muhdathatin bid'a, car certainement chaque nouveauté, c'est bid'a, wa kulla bid'atin balala, et chaque bid'a, c'est l'égarement, et chaque l'égarement lit dans l'enfer. Et deuxième hadith qui nous connaît, en bref, pour nous réfléchir, c'est hadith Urbab ibn Sariya radiyallahu an que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après une salat il peut conseiller dans sahaba Urbab ibn Sariya radiyallahu an il dit comme si c'est sa même dernière fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour cause avec nous alors nous finissons de dire oh messager d'Allah conseille-nous et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui peut vivre après moi peut trouver beaucoup de divergences. Celui qui peut vivre après moi peut trouver beaucoup de division. Celui qui peut vivre après moi peut trouver qu'il s'agit d'islam, les poumons au scellé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne une solution pour nous sortir de sa divergence-là et lui donne une cause, maladie qui amène sa divergence-là. Et malheureusement, la table devient en balao dans notre époque. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les causes pour la solution pour nous sortir en lieu de sa divergence-là, il n'est pas fini de prendre l'unité, il n'est pas fini de prendre fraternité, il n'est pas fini de trappe chia qui peut maltraiter ou moul moukmini ou mahad ou moukminin, ou soit qui peut mal parler dans le sahaba, ou soit qui peut dire que le Coran qui nous est dans, ce n'est pas vrai Coran ça, le Coran peut cacher avec ce imam, prends-en, amène-en dans l'unité, amène-en pour faire la force dans le musulman. Par ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de dire. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
Déjà, alaykoum bi sunnati, qui je trappe mon sunna faux. Et sunna des mouban, khulafa ou rachidin, mouban khulafa, mouban khalif qui vient guider. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa même hadith, il dit, wa iyyakum wa muhdathat al-umur, et fais attention à tout ban nouveauté, comme si sa ban nouveauté là, c'est ban cause pour les vies qui bougeons à Zoudi. Zoudi, si au fin de monde, loin de Mimbar, au fin de dénonce une bid'a, au fin d'invite vers une sunna, alors ça, c'est ban qui fait division, à pas capable de dans nos masjids, de vous une faire division dans la masjid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une cause tous les contraires. Dénonce bid'a, mais ta gâte contre bid'a, c'est une façon pour nous garder l'unité, sa ummat là. Et propage sunna, c'est une façon encore pour nous garder l'unité de sa ummat là. Pas partout, sunna, pas faire bid'a vive, et faire bid'a gagne qualité la vie, comme si pas pour partout il y a. Les là qui nous pouvaient une bande de monde qui vraiment peut prendre l'unité. Alors ça, c'est pas l'appel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un conseil qui ban sahaba fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un hadith qui rapporté par Irbab ibn Sariya radiyallahu an demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui rabbe l'alamin il donne nos courage pour nous faire nos ban ibadat d'après sunna et nous supplie rabbe l'alamin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nos comptes bid'a de toutes ses formes qu'ils soient les petits, les grands, les beaucoup, les tiguettes. Et nous demandons avec Rabb al-Alamin qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour dénoncer ban bid'a. Et nous supplions Rabb al-Alamin qu'Allah subhanahu wa ta'ala servir nous pour finir ban bid'a, l'oratia. Et nous demandons avec Rabb al-Alamin qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour nous propager sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous supplions Rabb al-Alamin parce que ban zoli nous qu'il n'y en a pas grand et Allah subhanahu wa ta'ala. Que Rabb al-Alamin les préserve nous maman, nous papa, nous madame, nous enfants, nous générations, contre shirk, contre bid'a, contre kufr, et nous supplie Rabb al-Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rassemble nous tous dans ce jannah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.